toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui, en tout cas à cette heure, sur une table ronde qui est intitulée la BITD, la fameuse BITD française est-elle sauvée ? Cette table ronde va nous permettre d'y voir plus clair, j'espère, à la fin de cette table ronde sur l'état de la BITD, sur les menaces qui pèsent sur elle. Et on verra aussi comment l'équipe de France que nous avons réussi à réunir ici se resserre-t-elle les rangs pour préserver cette fameuse BITD. BITD, base industrielle et technologique de défense. Pour en parler, j'ai le plaisir de présenter François Mestre, chef du service des affaires industrielles et de l'intelligence économique à la DGA, Direction générale de l'armement. Nous avons également Geoffrey Célestin Urbain, chef du service de l'information stratégique et de la sécurité économique au ministère de l'économie. Nous avons également Antoine Bouvier, directeur de la stratégie des fusions, acquisitions et des affaires publiques chez Airbus. Et enfin, Marwan Laoud, président du conseil de surveillance d'ACE Capital Partners. Donc, nous allons commencer notre table ronde avec François Mestre. François Mestre, Fichou, Photonis et bien d'autres entreprises ont vu leur actionnariat finalement rester tricolore ou européen. Comment la DGA a-t-elle veillé sur la BITD durant ces 12 derniers mois ? Quel est votre rôle à la DGA ? Avant de répondre directement à la question, deux, trois grands chiffres pour rappeler ce qu'est la BITD en France. C'est 4000 entreprises qui travaillent dans le secteur. C'est 200 000 emplois directs, hautement qualifiés, difficilement délocalisables. C'est 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est 7 milliards d'euros à l'exportation en moyenne. Et donc une balance qui concourt à la balance des paiements. Ce qu'on a fait la dernière, c'est articulé autour de deux axes. Le premier, bien entendu, on a continué à traiter les dossiers d'investissement étranger en France. Pour mémoire, on était à 30 à peu près en 2017. L'année dernière, on a traité 138 dossiers. C'est plutôt un signe positif de la vitalité de notre industrie, de la qualité de notre industrie. En revanche, il faut bien maîtriser le fait qu'elle doit rester en France. Nous avons mis aussi en place des mesures d'accompagnement spécifiques. Une auscultation de la BITD, et ça, on ne l'a pas fait tout seul. On a ciblé des mesures de remédiation. Et puis, on a eu une attention particulière pour s'assurer que les paiements qui étaient versés aux grands maîtres d'œuvre, parce que c'est la caractéristique de la BITD, que les gros contrats passent par les maîtres d'œuvre, descendent bien et ruissellent bien dans l'ensemble de la chaîne de production. Concrètement, ça veut dire qu'on a formé 100 cadres de la DGA aptes à conduire des audits dans les sociétés. On a mis en place un numéro vert qui a quand même pas mal fonctionné parce qu'on a eu plus de 150 appels dans ce domaine-là. On a, avec ces 100 cadres, ausculté 1200 sociétés de la BITD pour avoir une vision de leur état. Ce ciblage des 1200 a été fait en partenariat très étroit avec les grands maîtres d'œuvre, les syndicats professionnels, et les résultats de l'auscultation ont été partagés avec la DGE et BPI. Nous avons mis en place 130 procédures de remédiation, et ce qui nous a permis de conduire l'accompagnement des sociétés pendant toute l'année 2020. Merci, Monsieur Mestre. Geoffrey Célestin Urbain, le 6C a été au cœur du dispositif de protection des intérêts économiques de la France et de la BITD. Quel bilan tirez-vous de l'action du ministère de l'économie en matière de protection de la BITD ? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, le bilan qu'on en tire sur l'action du ministère et puis l'action de l'État plus globalement est un bilan qui est positif avec trois choses, principalement le soutien à la BITD pendant la crise, la confection du plan de relance, qui est une pièce importante aussi du redémarrage de ce secteur, et puis aussi tout le dispositif de protection économique que l'on a mis en place et qui est en fait arrivé à maturité pendant cette crise en réalité. Et ce dispositif de protection économique, qu'on appelle aujourd'hui politique de sécurité économique, il marque une vraie différence par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. La première grande différence, c'est qu'on a désormais une tour de contrôle de l'ensemble des événements, notamment des menaces étrangères, qui affectent les actifs stratégiques de l'économie française. Ces actifs, c'est à la fois des entreprises qui sont considérées comme stratégiques, et puis aussi un certain nombre de technologies considérées comme critiques pour notre économie.
On a mis en place, et ça a été vraiment très très important pour la gestion de la crise et ses conséquences économiques, une plateforme de coordination du traitement des alertes, en fait toutes les alertes qui nous arrivaient sur les entreprises de la BITD, mais plus largement, ont pu faire l'objet d'un traitement systématique, et ça c'est relativement nouveau, ça peut paraître assez anecdotique, mais ça l'est pas. On a un objectif très ambitieux sur notre politique qui est un objectif de zéro alerte économique étrangère sur nos actifs stratégiques qui ne soient pas détectés à temps et zéro alerte qui ne soit pas traitée. Et traiter veut pouvoir dire deux choses. Traiter veut dire dans certains cas que l'on laisse faire quelque part lorsque c'est nécessaire de le faire pour des raisons d'attractivité, mais aussi à l'opposé, qu'on met en œuvre tous les moyens de l'État, informels, réglementaires, financiers, pour faire cesser une menace étrangère lorsqu'elle est considérée comme particulièrement importante sur l'entreprise qui est considérée. Et puis je crois que la politique de sécurité économique, elle a aussi quelque part complété l'approche mise en œuvre par le ministère des Armées. Déjà, notre politique de sécurité économique, elle est sur un spectre plus large que la BITD. Elle couvre tout un tas de secteurs qui sont importants pour l'économie française et pour la souveraineté. On a vu avec la crise que ça déborde assez largement de la sphère défense. Et puis, la BITD fait quelque part l'objet d'approches hybrides, comme on le dit aujourd'hui, de menaces qui ne sont pas strictement liées à la défense, mais de menaces qui nécessitent de mobiliser aussi les compétences de Bercy, des sujets de financement, bien évidemment, François les a évoqués, des sujets évidemment duo, puisqu'un certain nombre d'entreprises de la défense ont des applications civiles aussi. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est important de bien croiser les points de vue au sein de l'État. Alors, le constat, avec quelques constats chiffrés, pour que vous ayez tous en tête un peu la volumétrie des alertes. Donc, depuis janvier 2020, et ça va bien au-delà de la BITD, hein, pour être clair, on est à peu près à 500 alertes. Donc, voilà, sur une année et demie, 500 alertes de sécurité économique. Il faut retenir que c'est à peu près un rythme de 25 à 30 par mois, donc une par jour, schématiquement. Alors, on capture dans ces alertes à la fois une fragilisation intrinsèque des entreprises stratégiques pour des raisons financières, commerciales, économiques, mais aussi des menaces avérées. Et sur les menaces, il y a à la fois du capitalistique, c'est-à-dire des tentatives de rachat d'entreprises stratégiques par des concurrents étrangers, mais on a aussi des menaces humaines, physiques, réputationnelles. Et puis on a le risque cyber qui a pris une ampleur particulière avec la crise. Donc pour vous donner une idée, hein, capitalistique, à peu près 40% des menaces, 35% sur la catégorie un peu large, humain, physique, réputationnel, et puis à peu près 10% pour le cyber. Et on a aussi la montée en puissance des menaces juridiques avec un certain nombre de procédures extraterritoriales qui sont menées contre certaines de nos entreprises. Voilà, alors par rapport à toutes ces menaces-là, on a un certain nombre de succès qu'on ne peut pas revendiquer ouvertement non plus puisque ce sont largement des succès classifiés. On ne va pas non plus communiquer ouvertement là-dessus parce qu'il y a un enjeu d'attractivité qu'il faut préserver. Et je pense qu'on y reviendra sur cet équilibre entre attractivité et souveraineté. Et juste un mot de la fin pour cette première partie. Je pense que ce bilan, en fait, il n'y a vraiment pas de place pour la complaisance. C'est pas parce qu'on gagne certaines batailles qu'on a gagné le combat global. La crise a montré que c'était pas uniquement un dispositif de protection. Il fallait pas uniquement protéger notre entreprise, mais il fallait faire vivre aussi le tissu économique. Et pour toutes ces raisons-là, en fait, on est vraiment sur une réflexion qui est plus large que la protection économique et qui touche aussi au fonctionnement des chaînes de valeur. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que le bilan actuel est positif, mais on peut pas se reposer là-dessus. Bien sûr, merci beaucoup, Monsieur Célestin Urbain. Antoine Bouvier, Airbus est un grand groupe européen dont la base industrielle est très large et va de évidemment en France, mais également en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne. Comment ces pays européens ont-ils traité, ont-ils géré, ont-ils préservé leur base industrielle dans leur pays? Donc là, on parle des quatre pays européens où Airbus est implanté, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Espagne. De façon, je crois, intéressante et avec des modalités, des efficacités qui peuvent varier. Les grandes mesures qui ont été mises en place sont très similaires. La première grande mesure, le chômage partiel longue durée, Kurzarbeit en Allemagne, des schémas équivalents en Espagne et en Grande-Bretagne. Ce premier type de grande mesure vise à préserver l'emploi et les compétences. Avec la confiance que cette crise
redonnera de la dynamique, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'ensemble du secteur, et que donc il faut faire le dos rond et être le plus robuste possible sur une période de 2 ans, un peu plus que 2 ans. Ça, c'est le premier grand type de mesure. Deuxième grand type de mesure, s'occuper de la trésorerie de la supply chain. C'est en France le PGE, mais des schémas équivalents dans d'autres pays. Et troisième type de mesure, que je trouve extrêmement forte parce qu'elle montre une grande confiance dans l'avenir, c'est au moment le plus difficile de la crise, investir dans des technologies d'avenir. C'est ce qu'on a fait en France et ce qu'on va continuer à faire avec le CORAC. Mais ce type de mesure a également été mis en place en Allemagne, en Espagne et en Grande-Bretagne. L'achat public également, très rapidement l'achat public en France avec le plan de relance, mais également dans les 3 autres pays européens d'Airbus. Et puis des actions particulièrement fortes en France, et Marwan Laoud pourra en témoigner, sur la création de fonds pour venir en aide aux entreprises les plus en difficulté. Maintenant, la question, c'était aussi, je crois, comment comparer ce qu'on a fait en France avec les autres pays. Oui, le succès a été similaire en France que dans les autres pays. Alors, je crois que sans pour autant comparer, je voudrais mettre en relief ce qui a été fait en France et qui, je crois, particulièrement positif. D'abord, une action extrêmement importante de l'État, ce qu'on vient d'entendre, Bercy, DGE, DGA, c'est quelque chose qui, je crois, n'a pas d'équivalent dans aucun des 3 autres pays. Une grande rapidité dans la mise en place des mesures en France, qui doit être saluée, parce que ce n'était pas évident du tout, sur des mesures qui étaient nouvelles, avec un tissu industriel qui était sous pression, de pouvoir mettre en place aussi rapidement sur l'ensemble du territoire ces mesures. Et je crois que ce qui a aussi fait la différence en France, c'est une approche très soudée de la filière à travers le GIFAS et l'ensemble des solidarités, des liens, des supports mutuels qui ont été mis en place depuis des années. Et cette solidité du GIFAS a trouvé toute son importance au moment de la crise. Parce qu'une crise, c'est un moment difficile et tout doit être préparé avant. Et cette filière GIFAS avait effectivement ce degré de maturité dans la coopération, dans la solidarité qu'on n'avait pas forcément dans les autres pays. Merci Monsieur Bouvier. Marwan Laoud, vous êtes en train de travailler sur plusieurs projets stratégiques, notamment des projets stratégiques comme Aubert et Duval. Le fonds dont vous avez la charge, dont vous êtes l'opérateur, finalement, il ne va pas avoir des poches extensibles à l'infini, même si vous allez disposer de 1 milliard d'euros. Sur quels critères vous allez sélectionner vos dossiers ? C'est une excellente question. Le mot d'ordre, c'est investissement. Il ne s'agit pas de fonds perdus, il ne s'agit pas de subventions. C'est vraiment investissement. C'est le souhait de la filière. C'est le souhait de tous les souscripteurs du fonds. Le fonds, il y a de l'argent public. Il y a aussi de l'argent privé. Tikehau Capital y a mis... c'est le premier souscripteur. Le Crédit Agricole. D'autres souscripteurs sont à venir. Donc, ce qu'ils attendent, c'est un retour. Et comme l'a dit Antoine Bouvier, je crois, tout à l'heure, quand on investit au plus fort de la crise, quand on achète au son du canon, c'est qu'on croit à l'avenir. Et en fait, c'est ça le principal message du fonds. C'est de dire, attention, on a un coût, on investit dans l'avenir. Alors, de deux manières. Tout d'abord, on investit dans les acteurs clés qui sont en difficulté. Ça peut arriver. Personne n'avait anticipé la crise, personne n'avait vu arriver la pandémie. Surtout, personne n'avait imaginé une pandémie à portée mondiale. Dans les modèles de simulation ici ou là, on imaginait une pandémie qui toucherait l'Asie ou un problème géopolitique qui toucherait le Moyen-Orient. Personne n'avait vu qu'il pouvait y avoir des crises à portée universelle. C'est ça la nouveauté. Donc, vous prenez des entreprises de très grande qualité, elles trébuchent parce que
elles étaient en train d'investir lourdement, elles étaient lourdement endettées, leur bilan était en difficulté, et boum, il n'y a plus d'activité. Donc ça, c'est le premier type d'investissement. Le deuxième type d'investissement, c'est il faut préparer le redémarrage. On sait que quand on ne travaille pas, on ne dépense pas. C'est vrai du plus grand groupe jusqu'à la plus petite PME. Quand vous n'avez pas d'activité, vos besoins en fonds de roulement sont bas. Quand vous redémarrez l'activité, c'est là que c'est le plus difficile. Parce que vous n'avez pas encore d'entrée, vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, vous n'avez pas encore de cash qui rentre. Et en même temps, vous devez dépenser. Et si on veut préparer le redémarrage, il faut qu'on investisse dans ce redémarrage. Et il faut enfin qu'on prépare la chaîne de valeur à être plus solide pour la crise suivante. Et là, c'est la consolidation. Ce n'est pas la première crise que nous affrontons dans l'aéronautique, l'espace et la défense. Hein, nous sommes régulièrement, autour de cette table ronde, nous sommes tous suffisamment anciens pour en avoir connu plusieurs. Et à chaque fois, on dit on sera plus fort pour la prochaine. Là, pour la première fois, nous avons une crise universelle. Il faut se préparer à des crises universelles, d'où l'importance de cette consolidation. Donc, en un mot, sauver les entreprises clés pour le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de valeur, de investir dans le redémarrage et consolider pour être plus fort pour la suite. Merci Marwan Naoud. On va passer à une deuxième étape dans ce débat. On va parler des menaces et des vulnérabilités de la BITD. Geoffrey Célestin Urbain, vous avez récemment déclaré au Sénat que la France allait rentrer dans une deuxième vague de pression économique étrangère très forte. Cela veut-il dire que certaines entreprises stratégiques sont fragiles et vulnérables et pourraient tomber dans des mains de sociétés étrangères ? Quelle est votre analyse aujourd'hui sur ce point capital ? Alors, au-delà des termes dont on pourrait discuter à l'infini, est-ce que c'est une vague ? Je pense qu'il y a globalement une augmentation assez forte du niveau de pression et une augmentation assez forte qui se traduit dans les chiffres, en fait. On peut retenir qu'il y a une croissance de 10 à 15% des alertes de sécurité économique, encore une fois sur un périmètre plus large que la BITD, depuis à peu près le second semestre 2020. Et donc on est sur une tendance de ce type-là. Quand on regarde 2021, c'est à peu près ce à quoi on peut s'attendre. Nombre total d'alertes sur 2021 par rapport à 2020, à peu près 10 à 15% de croissance. Donc je pense que par analogie, on peut sans doute plus parler d'élévation du niveau des océans, sans doute, avec une pression qui est durable. Et une pression qui est nourrie par deux choses, une sorte d'effet ciseau. Déjà la fragilisation des entreprises, stratégiques ou pas d'ailleurs, avec la crise. Une fragilisation financière qui, en termes économiques, s'analyse en quelque sorte, et vue de l'étranger, comme une baisse du coût d'accès au capital, aux technologies, au savoir-faire des entreprises françaises. La jauge pour pouvoir s'adjuger une entreprise stratégique française a diminué en termes d'investissement du fait de la baisse des valorisations. Donc ça crée mécaniquement un effet de pression. Mais c'est pas uniquement, c'est pas le seul cas de figure qu'on a. On a aussi à l'opposé des entreprises qui vont très bien, des start-up, des PME qui sont sur des niches technologiques extrêmement porteuses et qui elles cherchent des fonds pour financer leur développement. Et ça aussi, paradoxalement, quelque chose qu'on voit peut-être un petit peu moins, peut créer des vulnérabilités lorsque nous n'avons pas des solutions de financement privées ou souveraines en Europe qui soient capables de financer le développement de ces entreprises technologiques. Donc on a vraiment les deux cas de figure et ces deux cas de figure renvoient à des réponses de la part de l'État qui sont très différentes. Ça, c'est le volet cible, si j'ose dire. Il y a le volet menace derrière et la menace étrangère, en fait, peut être alimentée par trois choses qui nous semblent à nous relativement durables, en fait. La première chose, c'est un risque de décorrélation des cycles économiques. Si nos partenaires étrangers redémarrent plus vite que nous, en particulier dans les industries considérées, évidemment, le différentiel pourrait s'accroître. On a un deuxième sujet qui est une espèce de prime financière cachée qui confère une survaleur à des entreprises étrangères par rapport à nos entreprises à nous, à fondamentaux économiques égaux.
On se rend compte notamment que du fait du fonctionnement des marchés financiers, certaines entreprises industrielles à très fort contenu technologique dans d'autres zones du monde ont une valeur qui est peut-être un petit peu disproportionnée par rapport à la valeur de leurs concurrents européens, qui ont eux des fondamentaux économiques, industriels au moins comparables. Donc ça, c'est effectivement un sujet. On voit l'apparition de nouveaux véhicules financiers comme les SPAC, sur lesquels on est évidemment vigilant pour voir si ça n'accroît pas le différentiel de compétitivité financière en Europe par rapport à d'autres zones. Et puis on a aussi un troisième sujet qui est là durable et qui n'est pas nouveau non plus, c'est tout ce qui concerne le lawfare, c'est-à-dire l'utilisation du droit à des fins non pas normatives ou de régulation, mais pour infliger des pertes économiques à ses concurrents, ou des pertes économiques à ses rivaux stratégiques. Et un certain nombre de nos entreprises, grandes ou plus petites, lorsqu'elles sont stratégiques en particulier, font l'objet d'un certain nombre de démarches assez agressives de la part de pays étrangers. Et donc sur ces trois fronts-là, on peut estimer effectivement que ces fronts-là participent au relèvement du niveau de la mer. Donc nous, on est effectivement vigilants sur tout le spectre. On regarde effectivement les donneurs d'ordre, on regarde, Marwan Laoud l'a dit, les fournisseurs critiques dans les chaînes de valeur. Et puis on regarde effectivement de très très près, de plus en plus, le haut des chaînes de valeur, c'est-à-dire l'appareil de recherche qui est également très ciblé. Merci beaucoup. François Mestre, vous avez une vision transversale de la BITD. Vous avez vu quels étaient les effets des aides de l'État sur cette BITD. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer, vous, à la DGA, que la BITD est sauvée ou pas? Je pourrais vous répondre de façon simple, non. Non. Je vais essayer d'expliquer la raison qui me conduit à cette analyse. Il faut d'abord analyser que la BITD, grâce à sa dualité ou à cause de sa dualité, a moins souffert que les autres secteurs industriels. Pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit pour la partie défense dans le temps long, qu'il y a un client étatique qui n'a pas changé fondamentalement ses déterminants, qui a continué à conduire ses projets, qui a continué à investir, qui a continué à acheter, donc avec une certaine responsabilité. Et puis une chaîne d'approvisionnement qui est plutôt située en France et qui était un peu moins dépendante finalement des conditions de transport qui ont été très perturbées. À cela s'ajoute bien entendu le suivi régulier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a aussi aidé et permis de résoudre les petits problèmes qui auraient pu bloquer l'ensemble du système. Mais la BITD a quand même souffert de la crise. Les conditions sanitaires ont notablement diminué les échanges commerciaux, et donc tout le volet export dont j'ai parlé tout à l'heure a été fortement réduit en 2020. Les prises de commandes n'ont pas été faites, les livraisons n'ont pas été faites, et ça a fait souffrir l'ensemble de la chaîne de valeur. La dualité civile-militaire, qui est une force, et je pense qu'elle est durablement une force pour notre BITD, a pénalisé les petites entreprises qui faisaient une grande partie de leur chiffre d'affaires dans le civil et une petite partie dans la défense, se retrouvaient exsangues dans ce domaine-là, et l'ensemble des mesures mises en œuvre les a aidées. Trois secteurs ont été touchés, l'aéronautique, on a tous conscience que l'aéronautique a très souffert, mais il ne faut pas oublier que le transport a aussi notablement souffert, le transport routier, et même s'il n'impacte pas directement la BITD, nombre de sous-traitants du transport sont aussi des sous-traitants de la BITD. Et donc, certains ont souffert de l'aéronautique, du transport, et donc ont aggravé leur cas. Le troisième secteur qui a souffert, et qui peut-être s'inscrit dans la durée, c'est l'oil and gas. L'oil and gas, c'est très très proche de tout le domaine naval. Le domaine naval n'a pas été perturbé, hormis les chantiers civils. En revanche, les sous-traitants en oil and gas ont beaucoup souffert, avec un impact direct sur notre BITD. Donc, pour moi, la BITD, l'avenir de la BITD repose d'abord sur la reprise du secteur économique dans le domaine civil. Quand l'aéronautique, les transports, peut-être pas l'oil and gas, mais quelque chose d'alternatif, repartira plein pot, nos entreprises seront sauvées parce qu'elles s'insèrent dans ce domaine-là. Il y aura l'export aussi, quand l'export repartira, et on se rend compte qu'en début d'année, c'est plutôt bien parti. Et puis la dernière chose, c'est la restructuration de ce secteur. Marwan, une des grandes missions de Marwan quand même, à travers son fonds, c'est d'accompagner les restructurations qui permettront d'avoir des acteurs plus efficaces dans la durée. Pour ce qui concerne la DGA, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenir dans la durée la structure exceptionnelle qu'on a mise l'année dernière, c'est-à-dire continuer à être au plus près des entreprises de façon régulière. Donc ça veut dire que la DGA va continuer le dispositif pendant combien de temps le dispositif est exceptionnel? Je pense qu'on va s'inscrire dans la durée. On s'est rendu compte qu'au travers de ces visites, on n'était peut-être pas forcément bien connu de tous les gens qui travaillent pour nous. Donc on va s'inscrire dans la durée
et de manière à être plus réactif, plus à l'écoute de l'ensemble de la supply chain, en lien bien entendu avec nos grands maîtres d'œuvre. Pour le contrôle des investissements étrangers, on continuera à travailler. Sachez que l'Europe va rentrer dans ce domaine-là, et donc il faudra aussi travailler avec l'Europe pour les investissements étrangers en Europe, et donc répondre à leurs questions, alimenter le processus, et donc mieux justifier les conditions qu'on met pour les investissements, les accords ou les refus. Bien sûr, nous resterons toujours un acteur de la consolidation industrielle, alors tout petit avec notre fonds Definvest, mais c'est quand même un signal fort à travers tous les autres investisseurs de comment travailler, et les échanges réguliers qu'on aura aussi bien avec Marouane mais que les autres fonds est quelque chose d'important pour montrer notre appétence dans le domaine. Enfin, ce que nous faisons déjà et que nous continuerons à faire, nous accompagnerons notre BITD pour aller accéder au budget européen, parce que c'est un vecteur de croissance. Et ce n'est pas parce qu'on est très fort en France qu'il ne faut pas être les meilleurs en Europe. Merci, Monsieur Mestre. Marouane Daoud, avec la fin des progressives des aides de l'État qui ont permis vraiment d'anesthésier finalement la filière, on a l'impression que c'est maintenant que vous allez rentrer en scène avec le fonds qui a été initié par les industriels et par l'État et par vous-même, Tikeo. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une élévation de la menace, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui viennent vous voir et vous demandent un ticket ? Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, il y a un frémissement de la consolidation de la BITD française ? Je ne me suis jamais attendu à ce qu'il y ait la queue devant la rue de Monceau pour venir demander des aides. Encore une fois, ce n'est pas des aides, c'est de l'investissement. La façon dont nous avons conçu l'équipe de gestion du fonds, c'est que nous sommes proactifs. C'est nous qui allons chercher les dossiers. Nous avons regardé à peu près 150 situations, dont 73 ont retenu notre attention, donc c'est assez précis. Et sur les 73 qui ont retenu notre attention, je dirais que nous en avons sourcé, comme on dit dans le jargon, plus des deux tiers. C'est-à-dire que c'est nos équipes qui sont allées plutôt vers les entreprises que l'inverse. Alors, effectivement, on peut parler d'anesthésie, on peut parler de cataplasme. C'est beaucoup plus représentatif de la situation. Ça a été formidable. Ce qui a été fait en deux temps, trois mouvements par le gouvernement, c'est extraordinaire. Parce qu'il faut avant tout éviter la panique. On a évité la panique, que ce soit avec la trésorerie, que ce soit avec les dépenses. Le chômage partiel, c'est une réduction drastique des dépenses encourues. Les besoins ont beaucoup baissé. Aujourd'hui, le cataplasme est en train d'être enlevé progressivement ou va être enlevé progressivement. Et en même temps, l'activité repart. Ce que je disais tout à l'heure sur le besoin en fonds de roulement. Et donc, nous avons énormément de travail. Les équipes travaillent dur sur des dossiers petits, tout petits, 5 millions de chiffre d'affaires, ou des dossiers très gros. Et je pense que c'est maintenant qu'on va voir la justesse de la décision de mettre en place ce fonds. N'oublions pas une chose, c'est un fonds qui est censé durer une douzaine d'années. C'est un point qui n'a pas été évoqué jusque-là, mais il est dans nos esprits tous. Ce qui fait la force de la BITD, on parle de défense, mais ce qui fait la force de tous les secteurs qui ont été cités, le transport, l'aéronautique, l'oil and gas, c'est d'avoir des investisseurs longs. Hein, si on entre dans ces domaines-là, si on investit dans ces domaines-là avec l'idée de je rentre, je fais 4 ans, je sors avec ma monnaie, il faut changer de secteur, il faut aller regarder autre chose. Et donc l'idée d'un investisseur long, c'est 12 ans le fonds. Donc il faut prendre son temps, il faut faire les choses méthodiquement, et en fait c'est maintenant que ça commence. Merci Marouane Laoud. Antoine Bouvier, le maître d'œuvre que vous êtes, a-t-il vraiment des craintes aujourd'hui sur la robustesse de la supply chain, qu'elle soit française ou européenne, à l'issue de la fin des aides étatiques ? Et est-ce que vous avez déjà identifié des entreprises ciblées par des intérêts étrangers ? Je pense que ça a été très bien décrit par les services de l'État. Bien sûr. Vous, en tant qu'industriel, vous en tant qu'industriel, de tous les jours, on travaille,
on travaille ensemble. Donc, ce qui a été décrit comme les schémas d'alerte, ce sont évidemment des schémas d'alerte qui sont partagés, qui sont gérés de façon conjointe entre l'État et l'industrie. Donc, ces alertes, ces soucis qu'on a sur certaines entreprises, ce sont des alertes et des soucis partagés. Ce que je voudrais ajouter, première étape, on identifie, on alerte. Deuxième étape, on essaye, entre les services de l'État, les industriels et les solutions de financement, de trouver des solutions globales. Et ces solutions globales demandent d'abord un cadre réglementaire, c'est ce qui a été fait il y a quelque temps à Bercy, demandent ensuite des schémas, des processus d'identification et d'alerte, mais ensuite, il faut des solutions de financement. Et comme on l'a dit à l'instant, la difficulté n'est pas juste dans les entreprises qui connaissent des situations tendues de trésorerie. La difficulté et les menaces sont aussi bien, peut-être même plus, dans des entreprises, des start-up qui sont très en pointe, qui n'ont pas besoin de financement, qui n'ont pas besoin d'être aidés, mais qui ont besoin d'avoir des partenaires de confiance sur le long terme avec des solutions de financement disponibles. Les SPAC, c'est un exemple absolument éclatant de la liquidité très importante qu'on trouve sur le marché et de la difficulté qu'on a à associer la liquidité à des projets particuliers. Et dans ce cadre, je voudrais revenir sur un point que vous aviez soulevé, Michel, il y a quelque temps, qui est l'ESG défense, c'est-à-dire ce qu'on appelle, à tort pour moi dans le domaine de la défense, l'investissement responsable. Parce qu'investir dans la défense, c'est investir en support d'une politique publique. Et investir en support d'une politique publique, c'est la définition même d'un investissement responsable. Et pourtant, de nombreux investisseurs, des banques, des acteurs français, européens et au-delà des frontières de l'Europe considèrent qu'une activité défense fait sortir l'entreprise du champ de l'investissement responsable. C'est beaucoup plus le cas en Europe qu'aux États-Unis et c'est évidemment beaucoup plus le cas en Europe qu'en Asie. Et certains pays sont à des années-lumière de ce type de considération, la Chine par exemple. Et quand ces pays qui sont à des années-lumière de ces considérations considèrent que la valeur d'une entreprise n'est pas seulement sa valeur financière, mais le coût de reconstitution de la technologie et des compétences que cette société a bâti souvent après des années ou des décennies d'investissements privés et publics, à ce moment-là, les règles du jeu sont complètement différentes, à la fois sur la valorisation et sur le caractère acceptable de l'investissement dans des activités de défense. Je pense que c'est un sujet absolument majeur qui a été identifié, sur lequel on commence à échanger, on se convainc que ce sujet doit être traité en priorité, on se convainc de nos bons arguments en expliquant investissement de défense, c'est un investissement responsable. Maintenant, je crois qu'il faut passer à l'étape suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les actions au niveau de l'État, au niveau des industriels, au niveau des sociétés de financement ? Est-ce qu'on met en place des fonds souverains? Est-ce que les quelques véhicules de financement qui existent et qui sont gérés par les services de l'État ou des banques comme la BPI peuvent voir leur mission s'élargir? Dans quel cadre? Comment est-ce que l'État peut apporter son soutien à des entreprises qui sont en difficulté? Et d'une certaine façon, sa caution politique, sa caution morale sur l'export, sur le financement. Je pense que c'est maintenant le temps de réfléchir et de mettre en place des actions concrètes sur un problème qui a été identifié, mais qui, pour l'instant, ne fait pas l'objet, à ma connaissance, d'un travail précis sur les plans d'action. Marwan Ahed, vous voulez réagir ? Oui, sur ce point de l'ESG, Geoffrey a parlé tout à l'heure de lawfare. Il faut séparer l'ESG faire, donc l'utilisation de l'investissement responsable comme arme économique, de tout simplement l'ignorance, la méconnaissance de l'industrie. J'ai fait l'expérience avec des investisseurs très récemment sur la défense. Quand on explique comment fonctionne une entreprise de défense, comment fonctionne une exportation de défense, quelles sont les autorisations, quelle est la connexion avec les services de l'État, en réalité, ceux qui parlent
d'investissement irresponsable pour la défense. Ils ont en tête les marchands de canons qui alimentaient les guerres en Afrique. Ils n'imaginent pas quel est le niveau d'imbrication, d'intrication qu'il y a entre une entreprise du secteur de la défense, qu'elle soit grande, qu'elle soit gigantesque comme les Airbus, ou toute petite. La plus petite entreprise qui intervient dans la défense, elle est connue des services de la DGA, elle est connue des services de la DGE, elle est suivie, elle a besoin d'autorisation. Donc, quand on explique ça aux investisseurs les plus institutionnels, ils disent « Ah bon, en effet, je comprends ». Et donc, il y a vraiment un travail en profondeur, et je souscris totalement à ce que dit Antoine, il y a un travail en profondeur pour éliminer cette légende et justement ne laisser que l'ESG faire, où là, c'est un conflit idéologique ou un conflit tout court, un conflit économique. Et là, à ce moment-là, on se bat à armes égales. Je me tourne devant les acteurs étatiques. François Maistre, sur ce dossier-là, très compliqué et en plus réputationnel pour les banques. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour aider les banques à financer l'industrie de défense ? La première chose, c'est exactement ce que dit Marouane. Il faut aller expliquer aux banques pourquoi la défense, c'est un secteur économique qui présente des intérêts comme les autres. Pourquoi la surcompliance n'a pas de raison d'être dans le domaine de la défense ? Ça, c'est une première démarche d'explication. Ça a été amorcé par le CIDEF et bien entendu, on s'associera à cette démarche vers la Fédération des banques françaises, de manière à mieux leur expliquer pourquoi il n'y a pas de difficultés particulières. Pour ma part, moi j'ai appelé certains grands patrons de banques qui m'ont dit, à partir du moment où il y a les autorisations pour la couverture export, c'est-à-dire un passage en siège, il n'y a aucune raison que nous disions non à cette démarche-là. La deuxième démarche qu'on a faite, c'est d'aller sonder l'ensemble des banques régionales qui n'ont pas de lien direct avec les États-Unis. La question de fond, c'était de savoir quelle était leur appétence ou aversion vis-à-vis de la défense. Et on a rencontré des gens qui ne connaissaient pas ce secteur-là. Alors, c'est des petites banques, c'est des petites assiettes, mais pour nos PME, c'est exactement ce qu'il faut. Et donc, ces banques-là, elles disent toujours la même chose. Moi, je le fais dans le légal. À partir du moment où c'est légal, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas dans ce secteur-là. Donc, on commence à échanger. On va orienter les gens qui ont peut-être des difficultés vers ces banques-là, et on verra comment ça pousse. Le dernier point, et ça relève aussi de l'État, c'est aussi accompagner BPI pour peut-être qu'il aille un peu plus bas dans ses seuils, qu'il s'engage un peu plus lointain dans le soutien export pour accompagner les banques, et sa caution permettra à d'autres groupements bancaires pour venir. Le dernier sujet, c'est bien sûr tout ce qui est en equity, et là, Marouane en a beaucoup parlé, mais c'est l'attractivité économique de ce secteur-là qui doit permettre à chacun d'investir dedans pour y retrouver à la fin ses petits. Geoffrey Célestin Urbain, un mot sur cette problématique ? Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Je pense qu'effectivement, il faut distinguer ce qui relève en fait du durcissement des obligations de conformité réglementaire qui vont s'appliquer à certains secteurs de façon tout à fait singulière, la BITD en premier lieu, mais pas uniquement. Une espèce de lame de fond qui touche en fait pas mal de secteurs et qui pose un défi aussi aux entreprises elles-mêmes lorsqu'elles cherchent des financements, puisqu'il faut qu'elles arrivent avec des due diligence renforcées à passer la barre de la compliance. Et puis au-delà de ça, effectivement, dans certains cas, et c'est un petit peu la difficulté, on a du mal à le documenter de manière systématique, mais des réflexes d'autocensure, à la fois de la part de certaines entreprises sur certains marchés, de peur de faire l'objet de représailles ou autres, et puis de la part de certains financeurs, probablement, on a effectivement des retours de la part d'entreprises exportatrices ou autres, qui nous disent que dans certains cas, effectivement, on assiste à des phénomènes de dérisking, c'est-à-dire d'overcompliance. Bon, c'est un sujet qui est délicat, qui, François l'a déjà dit, fait l'objet de pas mal d'échanges depuis quelques temps à Bercy, effectivement, avec les acteurs de la place. Et sur lequel, encore une fois, il n'est pas évident d'avoir une cartographie vraiment très systématique, très systémique pour identifier précisément quelles sont les failles de marché et quels sont les moyens dont on dispose pour relâcher un petit peu cette pression-là. Et ce n'est pas un sujet d'ailleurs uniquement BITD, ça peut être un sujet qui peut toucher d'autres filières stratégiques qui ont une image qui est véhiculée aujourd'hui, qui est potentiellement problématique. Et donc c'est un sujet qu'on évidemment on suit de près sous la bannière nouvelle forme de compliance, nouvelle forme de conformité, qui passe moins par des canaux strictement réglementaires que par des canaux d'influence, des canaux réputationnels. Un certain nombre de questionnaires adressés à des entreprises de certains secteurs
qui s'impose de fait comme une norme. Si vous ne répondez pas à un questionnaire d'une association, d'un acteur qui peut ne pas être étatique, bah ça va générer des problèmes réputationnels derrière. Donc on est face à des formes de compliance qui sont beaucoup plus diversifiées qu'auparavant et qui appellent du coup une réponse de l'État qui est globale. Merci. On va parler maintenant de rebond. Il nous reste un petit quart d'heure. Antoine Bouvier. Alors, on a beaucoup dit que, évidemment, la BITD était duale. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que la supply chain d'Airbus, notamment, puisqu'elle est vaste, elle est capable de remonter les cadences de production telles que vous le voyez est-ce qu'il y a une date à laquelle vous pensez que vous allez retrouver votre niveau de production avant crise ? Alors, je pense qu'il faut mettre en perspective les annonces qui ont été faites par Airbus. On est toujours au milieu de la crise. Nos prévisions de livraison, c'est de retrouver le niveau pré-crise 2019 en 2023 pour la famille A320. On restera en 2023 et au-delà de 2023 très en retrait pour les long range 330-350 par rapport à la situation 2019. Donc cette remontée, elle est modeste, elle est progressive. Pour autant, on a effectivement une grande fragilité de la supply chain et on doit être extrêmement attentif et présent pour s'assurer que cette remontée en cadence se passe bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour Airbus ? Ça veut dire d'abord donner à l'ensemble de la supply chain de la visibilité, le maximum de visibilité sur des horizons pour lesquels on a un grand degré de confiance, des horizons plus lointains où les hypothèses peuvent être différentes, les scénarios plus variés, que chacun, aussi bien le maître d'œuvre que les équipementiers et la supply chain, ait une image la plus précise, la plus transparente possible des différents scénarios de montée en cadence. Parce que des décisions doivent être prises très en amont, en particulier les décisions sur les appros matières, des décisions de recrutement pour la ressource, et également des décisions sur l'ensemble de l'efficacité du schéma industriel avec des risques de qualité qu'on sent extrêmement, extrêmement présents. Donc nous, d'abord de la visibilité, de la transparence du dialogue, et on a engagé une campagne d'audit. Le mot audit peut paraître un peu négatif. En fait, c'est une compréhension mutuelle de la situation de la supply chain avec la plus grande partie de nos tier 1, avec une identification des sous-traitants en dessous qui sont à risque. Et cet audit devrait permettre, en tout cas c'est l'objectif qu'on poursuit, de rendre cette supply chain plus robuste, de s'assurer que les décisions sont prises et de s'assurer que quand Airbus peut aider à ce que la situation évolue dans le bon sens, eh bien on contribue parce que c'est notre responsabilité de maître d'œuvre. Merci Antoine Bouvier. Marwan Lahoud, juste avant que vous partiez faire une interview, je voulais vous poser une question sur la finalité, une des finalités du fonds. Est-ce que vous sentez vraiment les maîtres d'œuvre prêts à une consolidation de la supply chain et est-ce qu'ils sont prêts à avoir des fournisseurs un peu plus forts qu'ils n'étaient auparavant face à eux ? Est-ce que vous les sentez prêts ? La question est autoréférente d'une certaine manière. Ils n'auraient jamais soutenu la constitution du fonds s'ils avaient été opposés dans le principe à ce que la supply chain se consolide et qu'il y ait des sous-traitants plus forts. Maintenant, c'est un art tout d'exécution et il y a des cas particuliers, il y a des situations complexes qu'il faut traiter. Heureusement que c'est un art tout d'exécution, sinon on serait tous remplacés par des machines et on irait boire le café. Donc vous les sentez prêts à cette consolidation ? Oui, oui. De toute façon, c'est la voie. Il n'y a pas d'autre voie. Tout le monde est convaincu, chez tous les maîtres d'œuvre avec qui je suis en relation, que c'est la seule voie possible. Ça ne fait pas plaisir. On aimerait bien garder une dizaine de sous-traitants pour faire jouer le piano de la compétition. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'autre option. Ce n'est pas une option.
Monsieur Bouvier, vous êtes prêt à la consolidation ? Je confirme, évidemment. C'est pour ça qu'on a créé ce fonds. On a besoin d'une supply chain qui est robuste. Et la dimension n'est pas seulement une dimension nationale. C'est une dimension européenne, c'est une dimension mondiale. Notre supply chain, on doit la développer sur l'ensemble des continents. Donc ce qu'on fait en France pour renforcer, pour consolider en France, ça renforce non seulement la supply chain d'Airbus, mais ça renforce la supply chain française par rapport à ses concurrents hors d'Europe et dans certains cas hors de France. François Mestre, sur la deuxième partie de l'année et sur l'année 2022, quelle est votre analyse sur l'état de santé de la BITD ? Est-ce que vous pensez sur quel train on est parti aujourd'hui ? C'est 2022, je pense qu'il faut se projeter un peu plus loin pour savoir exactement quels sont les enjeux. Le premier enjeu pour notre BITD, c'est de gagner la guerre de la compétitivité. Et aussi bien ce qu'a dit Marouane qu'Antoine, c'est vraiment ça. Si on crée des acteurs industriels avec une taille suffisante, on gagnera en compétitivité parce que l'efficience technologique, on l'a déjà. Donc la première chose, c'est faire dans le domaine de la défense ce qui est vu dans le domaine civil, essayer de créer des tier 1, des sous-traitants de premier rang, d'une taille suffisante, capable d'adresser non seulement le marché français, mais aussi le marché européen, parce que c'est là-dedans qu'il faut se projeter pour demain matin. L'autre enjeu qu'on commence à voir émerger, c'est l'enjeu cyber. Dans le plan de relance, un des axes majeurs, c'est l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, elle sera numérique. Et le numérique, il est très, très enclin à se faire attaquer du domaine de la cyber. Les États-Unis ont lancé une démarche qui s'appelle CMMC, si je ne me trompe pas, qui vise à labelliser leurs sous-traitants. Et au travers de la labellisation du sous-traitant, il y a un processus d'audit très intrusif qui peut avoir lieu. Moi, je pense qu'en France, avec nos grands maîtres d'œuvre, il faut qu'on fasse exactement la même chose pour que nous soyons maîtres de nos audits et maîtres de cette démarche de protection de nos sociétés et qu'on ne dépende pas d'un standard et d'outils d'audit qui sont américains. Pour ce qui est de la DGA, pour nos entreprises de BITD, nos PME, on a mis en place un outil de diagnostic. Maintenant, les grands maîtres d'œuvre, au niveau de leur supply chain, doivent aider ce processus. Et puis, le dernier point qui reste toujours, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le sujet dont qu'on a abordé précédemment, c'est le financement. Sans financement, on ne repartira pas. Et donc, la logique de financement, elle est premium dans le court terme. Monsieur Célestin Urbain, on a vu que c'était bientôt la fin des aides étatiques. Cela dit, on voit bien aussi qu'il y a quand même un sujet sur la BITD. À quoi vous réfléchissez, vous, à Bercy, pour le soutien de cette BITD, si certains maillons essentiels sont en difficulté demain, fin 2021, début 2022? À quoi vous réfléchissez? Alors déjà, la première réponse à ça, c'est que le dispositif de protection économique auquel je faisais référence tout à l'heure est un dispositif qui est complètement pérenne, hein, là pour le coup. Protection des entreprises stratégiques, donc l'aéronautique, les entreprises de défense et autres, continueront à en bénéficier avec plusieurs outils à notre main. D'abord, le contrôle des investissements étrangers en France, qui est un outil évidemment très important, qui n'a pas été conçu au départ dans une logique de sécurité économique, mais qui est aujourd'hui un instrument absolument majeur, qui est de plus en plus utilisé, je crois que ça a été très bien dit, et qui a été renforcé et élargi avec la crise. Ça, c'est aussi un exemple de la réactivité de l'État. On a proposé très rapidement, en avril 2020, d'élargir le champ du contrôle aux biotech, typiquement, pour éviter qu'elles fassent l'objet de prédations économiques, sans que l'État ne puisse finalement rien faire par rapport à ça. Puis il y a d'autres outils qui sont plus financiers, en fait, qui ont été mis en place. Une rallonge de 20 milliards pour la prise de participation de l'État actionnaire dans des entreprises stratégiques, ça c'est aussi du 2020. Un nouveau fonds qui s'appelle French Tech Souveraineté qui permet de prendre des participations en co-investissement avec un acteur privé dans des entreprises à la fois prometteuses en termes technologiques et qui sont sur des technologies en fait souveraines. Il y a tout le travail qui est effectué effectivement par BPI France dans le cadre de cette politique-là. Donc tout ça va rester. Après, il y a une conscience assez forte
que les turbulences qui sont traversées aujourd'hui par l'industrie aéronautique, et pas uniquement, ne sont pas complètement derrière elles, et que le coup d'arrêt qu'on a observé avec la crise sanitaire en fait, vient amplifier des tendances lourdes qui impactaient déjà assez fortement le secteur. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de repartir sur les chiffres du trou d'air et du délai de redémarrage de l'industrie aéronautique. Antoine Bouvier en a dit un mot bien plus précisément que moi. Ce qui est sûr, c'est que toute la chaîne a subi le trou d'air de 2020, avec parfois des pertes de chiffre d'affaires qui vont jusqu'à 80% dans l'aéronautique sur des entreprises d'ingénierie et d'assemblage. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce creux de demande temporaire, qui peut avoir aussi des effets de long terme sur le changement de comportement effectivement des consommateurs par rapport au trafic aérien, il vient aussi créer un effet de ciseau avec des contraintes très fortes sur l'offre. C'est-à-dire l'industrie aéronautique est touchée par cette crise, alors qu'en même temps, elle doit investir très très fortement et très lourdement, et maintenant, sur la transition écologique, sur l'avion décarboné. Et tout ça, c'est des investissements en R&D, en innovation, qui sont assez lourds. Doit investir aussi dans la data. François l'a mentionné avec le risque cyber, mais plus largement, tous les gains de productivité que la dataïsation, l'automatisation des processus de production doit pouvoir entraîner. Et tout ça dans un contexte effectivement de réflexion sur le positionnement de la valeur entre les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants, mais aussi de pression concurrentielle très forte sur les industriels européens avec les programmes aéronautiques émergents et autres. Et donc dans ce contexte-là, évidemment, il y a des réflexions au sein de l'État, avec la filière, le GIFAS a été abondamment mentionné, avec les entreprises de la filière, pour éviter un trou d'air supplémentaire et puis surtout préserver les acquis du plan de relance à l'aéronautique de juin 2020 qui, je crois, ont été vraiment porteurs d'effets positifs sur le maintien des compétences, sur le niveau d'investissement de la filière à un moment où les efforts de long terme auraient pu être sacrifiés pour des raisons de cash et autres. Merci. Alors, il nous reste 5 petites minutes. On va passer à quelques cas d'école. Antoine Bouvier, Aubert et Duval, on le sait, un dossier stratégique pour toute la filière et évidemment pour Airbus. Quelle est la vision d'Airbus sur ce dossier si, si important pour l'industrie française ? Bon, c'est effectivement un dossier qui est majeur pour Airbus, pour Safran, pour Thales, pour Dassault, pour l'ensemble des acteurs de la filière. Aubert et Duval est une entreprise remarquable, qui a des compétences, des moyens uniques en Europe, à la fois sur l'élaboration, la transformation des métaux de spécialité. Mais c'est aussi une entreprise qui connaît de grandes difficultés. Pour autant, il n'y a pas de fatalité à ces difficultés, puisque des concurrents russes, des concurrents américains sur le même secteur, avec peut-être des technologies qui sont moins avancés qu'Aubert et Duval, réussissent parfaitement bien. Donc, difficulté, mais pas de fatalité. On a pris les choses en main, Safran, Airbus, ACE, en coordination très étroite avec les services de l'État, en coordination étroite également avec les autres acteurs de la filière à travers des discussions qu'on a eues au sein du GIFAS. On a fait une proposition, et cette proposition est sur la table. Je ne pense pas que, Aubert et Duval étant une entreprise cotée, je puisse en dire beaucoup plus aujourd'hui, si ce n'est notre motivation à trouver une solution pour nous, mais pour l'ensemble de la filière, notre confiance dans les capacités et le potentiel de cette entreprise, et la nécessité de refonder le succès d'un acteur français et européen avec le support des grands donneurs d'ordre. Et vous attendez une réponse d'ici à la fin de l'année, j'imagine ? Sans vouloir donner de calendrier trop précis, je dirais que, compte tenu de la situation, le plus tôt serait le mieux. Le plus tôt serait le mieux parce que les compétences sont toujours volatiles, parce que la remontée en cadence impose des décisions sur les approches longues, et que les approches longues sont largement à la fois dans le civil et le militaire chez Aubert et Duval, et que ce chemin critique sur les approches pour la production, c'est aussi un chemin critique pour les programmes en développement. Donc cette entreprise est sur deux chemins critiques, le chemin critique de la production et le chemin critique du développement. Donc on attend à ce que l'ensemble des acteurs aient un comportement responsable
compte tenu de la situation d'urgence dans laquelle se trouve cette activité. Merci Antoine Bouvier. Très rapidement, François Mestre et Monsieur Célestin Urbain, quelle est l'opération soutenue par la DEJA et par le CIC qui vous fait dire « Waouh, on a été super bon, on a réussi, on a préservé les intérêts de la France et de la BITD ». Est-ce que c'est RAFO, par exemple, qui a finalisé son deal avec Alcan? Est-ce que c'est Fichou? Est-ce que c'est Photonis? C'est quoi votre super fait d'armes? Alors, c'est aucun des trois, bien entendu. On a fait bien mieux et c'est quand on vit caché qu'on est les meilleurs. Hein. Donc mais je vais vous raconter l'histoire. Hein. Moi, j'avais deux sociétés, une ETI qui fait 135 millions d'euros chiffre d'affaires, 650 salariés qui travaillent dans les centrales inertielles à fibre optique et qui souhaitent toujours maîtriser cette technologie. En face, il y avait une PME bordelaise spécialisée dans l'instrumentation qui travaille sur des capteurs quantiques et c'était la première au monde à exploiter à l'échelle industrielle le résultat de la physique quantique au travers d'un gravimètre à atomes froids. Cette petite société voulait se développer et donc chercher des partenaires pour développer son système. Et avait quasiment trouvé un accord avec une société étrangère, ce qui conduisait globalement à transférer la technologie et le savoir-faire à l'étranger. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a incité la première, cette ETI, à se rapprocher, à regarder, peut-être faire une offre économique un peu plus avantageuse que ce qu'elle imaginait au début faire. Puis après, on est allé voir les actionnaires de la PME en leur disant « Vous avez aussi une responsabilité au regard de la BITD, de la compétence en France, de travaux en France. Et donc, ne regardez pas seulement le chèque que vous allez recevoir, mais la nature du chèque que vous allez recevoir et donc l'avenir qu'il y a dans cette société. » Au résultat, XBlue a racheté Mucans. Et je pense que c'est une excellente chose pour notre BITD. On n'en a pas parlé, sauf quand le deal s'est fait. Et je pense que là, on a vraiment été bon. Geoffrey Célestin-Herbin, un petit mot de la fin. Moi, je me sens mal parce que je vais devoir être encore plus anonyme sur les exemples que je prends, là, pour le coup, qui sont assez variés. En fait, on va intervenir sur tout type d'alerte. Donc, ça peut être du financier, du cyber, des risques de débauchage de chercheurs et puis aussi du capitalistique. Et en fonction de la nature des alertes, le degré de, on va dire, le positionnement de Bercy va varier. Typiquement, sur une attaque cyber, nous, on va s'assurer que l'information est bien diffusée au sein de l'État. On va vérifier quels sont les impacts de l'attaque cyber en termes de fuite de données sensibles ou de viabilité économique de la cible. Mais la remédiation, c'est-à-dire le fait de mettre fin à cette attaque, elle ne relève pas directement de nous. Elle va relever typiquement de l'ANSSI ou d'autres acteurs. Donc sur ce type d'attaque, nous, on est vraiment là pour mettre du liant. C'est le bas du spectre. On va être un petit peu plus, on va dire, offensif ou présent sur typiquement une approche humaine, c'est-à-dire le débauchage de chercheurs. Tous les exemples que je vous prends sont tirés de la réalité par un institut technologique étranger. On va à chaque fois s'interroger, et ça c'est assez structurant, sur la criticité de ces chercheurs. Quels sont les savoirs qu'ils détiennent? Est-ce que ces savoirs sont pertinents pour la souveraineté ou pas? Et pour ça, on a des référentiels. Hein. Est-ce que le laboratoire est considéré comme étant vraiment particulièrement souverain ou pas, sa technologie? Et là, on fait le lien évidemment avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui fait partie de la réponse. On va identifier les chercheurs qui sont ciblés et qui seront potentiellement ciblés à l'avenir. On va s'assurer que l'entreprise est bien sensibilisée. On va promouvoir un dispositif qui est quand même assez peu connu, qui est la protection du patrimoine, du potentiel scientifique et technique et technologique de la nation, avec la mise en place de zones à régime restrictif pour empêcher des accès à des endroits un petit peu trop sensibles. Donc ça, c'est ce qu'on fait en matière humaine. Sur du juridique, on a typiquement eu le cas d'une entreprise française, effectivement de la BITD, qui faisait face à des restrictions assez fortes à l'export du fait de réglementations étrangères. Et qui là n'était pas la seule concernée, ça pouvait impacter l'ensemble de la chaîne de valeur derrière. Et donc nous, ce qu'on met en place, c'est de la coordination entre acteurs de l'État pour vérifier quel est l'impact sur l'ensemble de la filière, débloquer des aides quand il le faut. Le sujet du financement a été évoqué, et ces aides, elles peuvent être soit ministère des Armées, soit Bercy, soit une combinaison des deux. Et puis pour terminer sur du capitalistique, alors là pour le coup, c'est l'utilisation du contrôle IEF, le contrôle des investissements étrangers en France, où dans un tempo assez réduit, on va voir si la cible elle est vraiment stratégique ou pas, si l'acteur étranger est défavorablement connu ou pas,
tout ça dans le respect des textes, bien évidemment. Et puis on va voir, si ce n'est pas trop tard dans certains cas, s'il n'y a pas une alternative qui est possible, c'est-à-dire un adossement industriel pour une entreprise stratégique, un adossement industriel plutôt français ou plutôt européen, qui permettrait de conserver justement cette entreprise dans le giron national. Et puis si tout ça, ce n'est pas possible, cette opération se fait, mais avec des conditions et des garanties drastiques qui sont demandées à l'investisseur de maintien de la propriété intellectuelle en France, de protection des sites sensibles. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les engagements, les conditions que l'on met à certains deals pour qu'ils puissent se faire sans attenter à la souveraineté dans le long terme. Merci à vous tous. C'était un débat super intéressant, super instructif et super constructif aussi. Donc merci à vous et à très bientôt. Je vous demande de les applaudir. Si vous... Merci.